Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 astuces que j'utilise au quotidien pour voyager moins cher. Première astuce, le logement. Alors, privilégiez bien sûr les auberges jeunesse, le logement chez l'habitant comme le Airbnb ou le couchsurfing, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Le mieux, c'est de voyager à deux car vous allez partager les frais à deux pour votre chambre d'hôtel. Du coup, c'est toujours plus intéressant et toujours plus sympa. Une astuce à pas négliger, on n'y pense pas forcément, c'est de réserver votre logement directement à l'hôtel. Si vous n'avez rien réservé, ne passez pas par votre smartphone, comparez directement au bureau de l'hôtel et vous allez voir, vous n'avez rien à perdre, vous comparez, si ça revient moins cher, bah du coup c'est toujours très intéressant de passer directement par l'hôtel. Deuxième astuce, les billets d'avion. Alors, il n'y a pas forcément de règles, tu peux réserver à l'avance, réserver au dernier moment, il suffit de dénicher l'offre du moment. Alors pour cela, moi j'utilise Skyscanner, c'est un comparateur de prix sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous pouvez donc voir directement tous les tarifs et ça, c'est vraiment très pratique. Bon, après, tu as les comparateurs classiques comme Liligo, Opodo. Moi, personnellement, j'aime bien aussi EasyVol. Si vous n'êtes pas pressé, multipliez les escales. Ça revient en général beaucoup moins cher que d'une traite. Troisième astuce, le matériel de voyage. Si tu pars en sac à dos, tu as forcément besoin de matériel. Moi, j'ai dépensé en moyenne 500 euros pour mes voyages avec un bon sac à dos et du matériel annexe uniquement pour voyager, je vous parle pas du matériel vidéo. Un voyage au bout du monde, ça s'organise, donc privilégiez donc les soldes en ligne ou privilégiez les soldes directement en magasin. N'attends pas le dernier moment, tu vas payer le prix fort. Si vous partez quelques semaines en sac à dos et que vous n'avez pas de matériel, demandez bien sûr à vos amis, ça vous évite d'acheter du nouveau matériel. En général, le sac à dos, il va servir 3-4 semaines pour ceux qui ont un travail à temps plein en France. Du coup, c'est pas forcément très intéressant. Cinquième astuce, si vous partez en voyage, vous avez forcément envie d'acheter un drone, un appareil photo, un réflexe, un ordi, un Mac, et tout ça, ça revient très cher. En fait, l'année dernière, j'ai passé le cap de basculer sur Mac. Le Mac coûtait 2600 euros au magasin. J'ai trouvé une solution qui est connue du grand public, mais qui n'est pas forcément connue tout le monde. C'est de racheter du matériel reconditionné. Vous allez diviser par deux ou par trois. Il y a des statues, statues or, statues bronze. Vous pouvez dénicher des super offres et économiser beaucoup d'argent avec ce système. Donc je vous mettrai directement le lien en bas de la vidéo. Et franchement, ça c'est très pratique, ça sert à rien d'acheter par exemple une GoPro toute neuve alors que vous êtes amateur, vous allez vous en servir 2 semaines par an. Par contre, si vous êtes professionnel dans la vidéo, je vous conseille plutôt d'acheter neuf. Mais pour les amateurs ou les personnes qui n'ont pas forcément envie de débourser des grosses sommes, le reconditionnement peut être très intéressant. Tu sais, quand tu voyages, il y a un truc qui coûte cher, c'est louer une voiture. Je l'ai fait en Nouvelle-Calédonie, je l'ai fait aussi en Nouvelle-Zélande, j'ai fait en Australie. Ça revient assez cher, il faut compter entre 40 et 80 euros par jour. Il y a une astuce qui marche, je pense que vous la connaissez tous, c'est le stop. La métropole entière, Damien, bon passage, je suis ouvert. Voilà, je vous souhaite un très bon séjour aussi. Merci. C'est très calme. Aïe aïe, il n'y a plus que 9 km pour aller à la pointe à pied, ça va être impossible. Bonjour, ça va? Ouais. En fait, ce qui est énorme quand tu fais du stop sur les îles, en fait, il y a aussi d'autres personnes qui arrivent dans la voiture. Et donc, du coup, ça se ressent du tout en mode convivial et tout, c'est super sympa. Voilà, je me dirige vers Peng et là, j'ai trouvé un autostoppeur super sympa. Vraiment, merci beaucoup. Apparemment, la plage vaut vraiment le détour. C'est mon boulot, faire des vidéos. On va passer ça à la télé quand même. Ouais, YouTube. Ouais. Et voilà les Damien, Damien, je suis très content de te voir ici. Et voilà les amis, l'épisode est terminé. Merci à Samuel de m'avoir reçu dans sa voiture sur la plage d'Eni.
je vais vous parler de mon expérience. J'avais jamais fait de stop de ma vie. Je suis arrivé sur les îles Loyauté en Calédonie. Et franchement, je peux te garantir, faut juste franchir le cap. C'est comme lorsque tu sautes à l'élastique. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Il faut juste oser. Alors, le stop marche très bien sûr, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie. Alors, après cette vidéo, bien sûr, il faut vous renseigner pour chaque destination. Globalement, le stop marche très bien. Tu n'as rien à perdre. Quand on voyage, on veut toujours aller vers la facilité Uber, les taxis. Privilégier les transports locaux. Alors, c'est toujours plus compliqué. Par exemple, à Bangkok, quand j'ai voulu prendre des bus locaux, tout est écrit en thaïlandais. C'est vrai que c'est toujours très compliqué. Mais il ne faut pas avoir peur de demander. Au guichet, ils vont parler anglais. Vous allez perdre un petit peu de temps, mais vous allez débourser 2 à 3 fois moins cher. Ça vous paiera la nourriture le soir. Autre astuce, la nourriture. Lorsque tu vas partir voyager longtemps et au bout du monde, tu vas voir que la nourriture, ça va être un budget qui est quand même assez conséquent au quotidien car tu as forcément besoin de manger le matin, le midi ou le soir, on va dire globalement. Je te conseille ainsi de faire ta propre cuisine. Alors, ça demande un petit peu plus de temps. Si tu es en auberge jeunesse, tu as forcément des cuisines. Dans les campings, tu as des cuisines. Dans les Airbnb, tu as des cuisines. Et tu vas voir, à la fin de la semaine, ça va te faire économiser beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui veulent vivre comme des pachas, mais à un moment donné, quand tu pars en sac à dos, il faut faire aussi des concessions. Après, ça n'empêche pas de faire un petit resto de temps en temps. Hein. Bon, tu sais négocier ou pas? Parce que là, vraiment, ça va te permettre d'économiser beaucoup d'argent. Si tu pars en Asie, à Bali, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, j'ai eu cette expérience de plus de 2 mois. Et je peux te garantir, quand tu sais négocier à la fin de la journée et à la fin du mois, tu es bien content. Alors, tu peux pas négocier partout, bien sûr. Si tu voyages en Australie ou en Nouvelle-Zélande, les prix sont fixes, tout comme en Nouvelle-Calédonie. Mais encore, tu peux négocier. Dernière astuce, voyager hors saison et dénicher vraiment l'offre du moment. Par exemple, si tu voyages en Australie ou Nouvelle-Zélande, tu peux voyager en intersaison avant l'été, à partir d'octobre, novembre, ça c'est très bien. Si tu voyages en Calédonie, avril, mai, juin, c'est très bien. C'est pas les vacances estivales en France et c'est pas l'été en Nouvelle-Calédonie. Donc là, ça devient intéressant. Globalement, en fait, il faut trouver un équilibre entre le pic des saisons en France et les vacances scolaires locales dans le pays où tu veux aller. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à commenter pour aussi vous donner vos astuces. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis!